Re tout le monde, on va reprendre la suite. Et on est à la forêt de quoi déjà? Je sais même plus à quelle forêt on est. Mimitos! Mimitos, il me le faut. Enfin, là ça risque d'être compliqué de l'avoir, mais... je vais utiliser Victor. Victor, hypnotise-le. Yayusei, tu vas bien? Parfait. Un Pokémon de type plante insecte, je vais utiliser peut-être pistolet à eau. Ça devrait pas lui faire énormément de dégâts en vrai. Hein. Ah bah oui, parfait. Très bien, Yusei. Ah, ça n'affecte pas. Non, en fait, c'est juste. Ça n'affecte pas, c'est juste que t'as raté le sort, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, voilà. Comment ça, tu te fais défoncer sur un autre jeu? Comment se fait-il? Bermine, il y avait quelqu'un qui voulait être Mimitos ou pas? Je crois qu'il y avait personne, non? Non, je crois qu'il y avait personne pour Mimitos. Hein. Bon, c'est quoi, à chaque fois, je vais retourner. Je vais retourner au Poké Center juste pour soigner les Pokémon et puis pour les mettre aussi dans la... Dans le... Comment ça fait déjà? Dans la box. Voilà. J'ai hâte d'avoir un joli fleur. Ce serait trop mignon. J'ai trop hâte d'avoir un joli fleur. Comment ça, des russes de haut level? Pourquoi Zelda waifu? T'as pas honte, Senei? Ah, mais tu l'as quand en fait? Tu m'as dit que c'était le mois prochain? Je vais le mettre devant, tiens. Je vais en profiter pour l'XP en fait, finalement. Bah oui, je croyais que c'était Milazan, ta waifu. Je croyais. Allez, retour au bois aux chaînes. Ah, d'accord! Ah, ok, le mec en fait, il a peur d'aller chercher son calartichaut, quoi. Bien. Sauf que ce connard de canard t-shirt, tu vois, il va s'enfuir à chaque fois. Non, la Mawifu, c'est Frézou. Ok, et pas moi. D'accord. Je pense pas que je puisse l'attaquer. Non, en fait, c'est des attaques de type plante. Donc le mieux, c'est vraiment d'envoyer Senei pour... Vingt-six d'XP, il est là encore. Il va me faire balader partout le canard tichot, je vais le défoncer. Il y a un moment où il va arrêter de bouger, je crois que c'est ici. Non, je croyais qu'il montait en haut. Comment je le bloque déjà? Comment ça, il n'y a plus le son? Si, si, il y a le son. Il faut... dites à Hydrinia de refresh. Parce qu'il y a le son du jeu, normalement. Rinsed, ça va toujours? Coucou Mito, tu vas bien? Oh, Mister level 7, ça c'est bien ça. Je vais pouvoir... Normalement le Mister niveau 7, il a encore... Il a que vol de vie, donc ça va quoi. Putain, Frézou, t'es dégueu. T'es la pire. J'ai flamèche, j'ai envie, là. J'ai envie. Là, je suis en train de t'XP. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir jolie fleur. Elle sera tellement, mais tellement mignonne. Puis ça va, ça me fait un Pokémon plante, donc c'est pas mauvais. Allez, reviens ici, toi. Non, mais sans déconner, je sais pas comment je le bloque. Je sais plus où est-ce que je dois le bloquer. Hein. Ah non, je crois que je dois le ramener vers son maître, non? C'est plutôt le ramener vers son maître que je dois faire. Hein.
C'est déjà Papillusion, Inson. Ah. Ah bah c'est bon, c'est bon, c'est bon, il est arrivé à son maître. Je devrais avoir coupe. T'es niveau 12 sinon, je crois. Ouais, c'était niveau 12, hein. Prends ceci. J'ai enfin la CS coupe. C'est la vie envolée. Oh. Rarika. Ouais, c'est bon, j'ai déjà le badge de la reine. Mais qui je pourrais la prendre coupe en fait? J'ai pas envie de la prendre à Senei. Est-ce que je la prends à Edrinia? Edrinia, ça te dérange pas si je la prends sur ton Pokémon? Parce qu'il n'y a pas d'autres Pokémon qui peuvent le faire. En vrai, ça me fait grave chier quoi. Parce que je pensais garder les statues et tout. Est-ce que je dois me lancer mon avoc tank ou mage en déjà? Non, c'est... il faut que tu envoies en avocateur. Le mieux c'est d'utiliser Garuda parce que Garuda te permet de renforcer les dots. Donc bon. Donc ouais, le mieux c'est vraiment d'utiliser Garuda en donjon plutôt que d'utiliser. Titan. M'apprends pas des techniques nulles comme coupe. Bah, j'ai pas vraiment envie de t'apprendre coupe, tu vois, pour être honnête. Je sais pas à quel Pokémon je pourrais l'apprendre. Yo Eternian, tu vas bien? Ouais, je sais que je pourrais toujours l'oublier plus tard, mais bon. Non, j'ai pas envie de. Non, franchement, j'ai pas envie de le mettre sur scène et ça se fait pas. J'ai trop de respect pour lui. C'est-à-dire que je vais le faire. Non, mais je le fais. Franchement, je le fais ou pas? Je pense qu'il va péter un cap Senei si je le fais. J'hésite. J'ai appris doux parfum. C'est un quoi doux parfum? Ça sert à baisser la précision, non? T'inquiète pas, Eternian, il y aura toujours un stream demain, hein, t'inquiète. Et les replays sur YouTube, faudrait que je mette les replays sur YouTube, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les regarde. Il y en a parfois qui le font quand je suis pas en live et qu'ils ont loupé le live. Hein. Ouais, cher Ezarty, t'as bien mangé? À quel niveau tu hop? Hein. Je sais plus s'il y a une arène d'eau en fait, surtout. Hein. Ou une arène de type roche. Hein. Et les Pokémon de type acier... Ah, ça réduit l'esquive, d'accord. Les Pokémon de type acier, normalement, ils sont... Ils sont... Comment dire... Battre par les Pokémon de type feu, il me semble. Bon, il faut que j'apprenne coupe à quelqu'un si je veux avancer. Là, il n'y a rien pour avancer, en fait. Ouais, mais c'est pas avant longtemps. Et là, j'aimerais bien XP à Edrinia, en fait. Non, ouais, c'est clairement pas pour tout de suite. Ça va toujours, cher Ezarty. Tu sais que ça me fait trop bizarre de me dire qu'avant, c'était Zard Billy, ton pseudo, et à chaque fois, je dois dire cher Ezarty, et... Genre, ça me fait trop bizarre à chaque fois. Y'a un truc ici, c'est obligé. Non, y'a rien. Ah si, c'est ici que tu chopes Celebi. Non? Non, c'est pas Celebi ici. Ouais, j'ai déjà deux badges. Ça attire les Pokémon sauvages? Ouais. Sinon, je vais reprendre le Hoot-Hoot et... comment dire, je me sers du Hoot-Hoot pour avoir cut hein, en attendant hein, sans l'XP. Hein. Je pourrais limite faire ça en vrai. Hein. Non, mais je vais finir par m'y habituer, mec. Hein. C'est comme pour Odaima. Son pseudo d'avant, c'était Nemeinak. Et je l'appelais tout le temps Nemeinak. Et puis après, au final, je faisais des efforts. Et j'ai fini par m'habituer à Odaima. Même si à chaque fois, je me rappelle que c'était Nemeinak avant, tu vois. Pareil pour Arcon. Bon, Arcon, j'ai eu du mal à me souvenir de son premier pseudo. Puisqu'il a quand même mis beaucoup. Enfin, il a. Comment dire. Il a vite changé. Genre, une semaine après que je l'ai connu, il a changé de pseudo. Donc, ça faisait pas trop dur. On est passé de Sly à Arcon.
C'est trop bien, tu peux changer l'ordre de tes attaques. Normalement, dans 2 semaines, tu devrais avoir. D'accord, dans 2 semaines, je te vois plus en fait. Dans 2 semaines, t'es devant ta Switch H24. Donc, dans 2 semaines, il me faudra un nouveau modérateur. Ouais, c'est ça. Dans 2 semaines, il me faudra un nouveau modérateur. Ah, oh, là, c'est ça, on se connaît depuis super longtemps. Ça fait 3 ans. Ouais, je vais prendre un out-out et je vais lui apprendre cut. Qu'est-ce qu'il pourrait apprendre Ouais. En fait, c'est Fein. Bah, Fein, en fait. Fein, ça va être mon CS slave aussi. Hein. Ouais, parce qu'il est hors de question que j'apprenne ça à Idrinia. Non, Fein il peut pas. What the fuck? Ah, oh, je suis déçue. Ah, oh, je suis archi déçue, Fein. Je pensais que t'allais devenir mon CS slave, mais en fait, pas du tout. Hein. Ah, oh, je suis archi déçue, mec. Et quel Pokémon qui peut apprendre ça là? Ouais, chez Tifleur il peut. Ouais, chez Tifleur il peut. Hein. Ouais, j'ai très bien mangé. Bouillie de riz avec de la coriandre et de la menthe et tout, et des épices. Vraiment trop bon. Bon, en fait, c'est les plats les plus simples qui sont les meilleurs. Hein. Bon, voilà, j'ai des Pokémon poubelle avec moi, mais c'est pas grave. Non, Senna, il part nulle part. Il va juste jouer à la Switch. C'est tout. Hein. Il va jouer à Zelda, Breath of the Wild. C'est pour ça que je lui ai dit que je le revois plus parce que mon chéri c'était pareil pendant quelques temps, il était à fond sur Zelda et il a quasiment fini tout le jeu, pas à 100% mais une bonne partie du jeu il l'a fini. Hein. J'aurais peut-être dû utiliser Vive Attack pour le one shot, je perds un peu de temps. See you later, Ox. Non, il m'a pas mise de côté, il était juste à fond. Mais c'est pas grave ça, honnêtement. Yeah, I think it will be Pokémon all evening. But tomorrow night I will play Borderlands. Hey, j'exploite mes Pokémon comme il faut, Flock, ok? On fait avec les moyens du bord. And tomorrow I won't play Pokémon. Tomorrow I will play Final Fantasy XIV, then I will play Borderlands. Because. Yeah, I'm sorry, you cannot join. I already have a team. I'm sorry. Next time I will do a co-op game, you will join me, okay? Maybe if we play Don't Starve together, you will join, right? I mean, did you ever play this game or not? Pro at any games, you know. Oh, attendez, il y a un psychoquack. Zirkoz. Zirkoz. Il y a ton Pokémon. Sauf si tu, bien sûr, tu veux pas que je le rename en Zirkoz, mais vu que je t'ai déjà nommé rival. Alors, sérieusement, vous allez me saouler là un petit peu. Oula.
Vous allez vous calmer toutes les deux. Je veux pas savoir qui a commencé, j'en ai clairement rien à foutre. Je veux juste qu'on arrête. Ça marche pas? Ou alors vous réglez sans MP, mais... Y'a Zerkados? Sérieux, y'a Zerkados? Mon dieu, on a la présence du grand Zerkados sur la live. Non, c'est sérieux, attendez. En fait, vous savez quoi? Je vais aller sur Idrinia. Je vais utiliser Vol de Vie. Normalement, je devrais pas le one-shot. Hein. Même si j'ai deux levels de plus, je devrais pas le one-shot. Hein. Qu'est-ce que tu me fais, Sora? Ah ouais, enfin, même si je le one-shot pas, je fais quand même assez mal, quoi. Ouais, c'est trop important, je peux pas ne pas le capturer, en fait. Je sais plus ce qu'il a comme sort chez Tiflor. Peut-être qu'avec Coupe, ça devrait aller, je devrais pas le tuer non plus. Hein. Ouais, si, avec Coupe, je devrais pas le tuer. Oh, putain! J'ai mis un crit. Bon, vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête. Je vais essayer de lancer la Pokéball, et si ça passe, tant mieux. Hein. Ouais, parce que franchement, pour le coup, j'ai failli le tuer. Je suis attrapé, oui, tu es attrapé. En fait, j'aurais peut-être pas dû name le rival en dire quoi. J'aurais peut-être dû l'appeler Zerkados, le rival. Ça aurait bien fait Ririka en vrai. C'est dommage qu'on puisse pas recommencer, hein. Zizi est un canard. Oui, exactement. Mais de qui tu parles, Nitzet? Sérieusement, tu prends la tête pour rien, là. Bref. En général, pour une embrouille, il faut être deux, tu vois, c'est ça le truc. Et je vous ai demandé de vous ignorer, vous avez refusé de le faire, donc bon, pour moi, les torts vont des deux côtés. Hein. T'es niveau combien? T'es niveau 16, je crois. Le mec en bas donne la cité coup de boule normalement. Je pense pas que je vais apprendre coup de boule à qui que ce soit. Ah t'as pas fait chier à la base, elle est juste comme elle est, elle fait chier personne en général, tu sais, quand t'as bien sur le Discord et tout. C'est plus pour déconner avec tout le monde, pas spécialement pour prendre la tête à qui que ce soit. Donc bon hein. Pas si je capture le Paras. Hein. Franchement, je sais pas si je le capture. Hein. Non, il est niveau 17 en fait, Paras. Non. Vector est niveau 16. 17, pardon. Putain, je sais même plus lire. Hein. Je sais pas si j'essaie de la faire ou pas. Vu qu'Ecume, normalement, ça risque de le one-shot. Je vais plutôt tenter à la Pokéball avec Sommeil. Hein. Alors, je vais peut-être essayer de réduire ses PV. Coucou Doras, tu vas bien? Non mais là, je vais être honnête avec vous, je m'en fous, tu vois, que quelqu'un parte ou pas. Là, tout ce que je veux, c'est que les gens arrêtent de se prendre la tête sur mon chat. Genre juste 5 minutes. Et si vous continuez, je banne les deux personnes, sans déconner. Hein. Ça marche pas non plus. Pourquoi ça marche pas, c'est un type insecte plante. Je peux encore lancer une coupe. Non! Yo Delta Genesis, tu vas bien? J'essaie de capturer un vieux Paras et je me fais niquer un Pokémon, quoi. Non, après, c'est pas trop grave si Chetiflor est mort. Genre, je veux dire, je peux encore utiliser coupe normalement.
Je peux plus utiliser coupe quand il est mort? Sérieux? Tu as bien Data Genesis? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. J'espère que ça te rappelle des bons souvenirs, Pokémon. Ouais, non, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, je me dis que Paras, il est à moitié roche et tout, et... Mais en fait, pas du tout, il est juste insecte. Mais moi, je voulais pas d'un truc efficace contre, en fait. Je voulais juste... C'est le Pokémon pour speedrun, la version bleue, sérieux? En quoi? J'avais même pas... Qui c'est qui voulait être Paras, du coup Y'a personne qui va être Paras? Quelqu'un va être Paras? Flock, tu vas être Paras? Tu veux être un parasite? Non, tu peux pas payer le même bateau nature, t'es sérieuse toi. Quoique, si, quoique, ça dépend si tu m'offres un bubble tea ou pas. Flock, est-ce que je t'appelle Paras? Ouais, ok, bah ça va alors. Ça va très bien, Darès. Hein. Flock, tu le veux ou pas? Flock! Non merci, ok c'est bon j'arrête. Ah je savais pas du tout. Coucou Serenity. Bon j'imagine que personne ne va être un Paras. J'imagine que le Pokémon est trop vulgaire pour les autres, hein. Vous êtes meilleur que lui. D'accord, je savais pas du tout Delta. Bah je dirais regarder de temps à autre. Faut juste que je te follow avant. Parce qu'à mon avis... En fait quand on me dit pas quand on stream, je sais pas s'il est en stream quoi. Ok, alors, suivre... C'est bon, je t'ai follow. J'ai regardé tes lives quand je pourrais. Et je pourrais toast aussi. Hein. Ton évolution à niveau 25, c'est possible ça, Vector. Hein. T'as pas peur de me refarmer comme un sale sur Diablo? Ah non, je connais pas du tout Diablo, mais... Après, j'ai déjà regardé un peu vite fait quelques streams de Diablo 3. Mais comment dire, c'est clairement pas le jeu que je vais faire. Ah bah tiens, rip la 4G, comme d'habitude. J'en ai marre de cette 4G qui arrête pas de déco, bêtement. Bon, c'est pas trop grave encore, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Welcome back, Ox. Nobody stole the internet. I think I'm back. Est-ce que je suis de retour ou pas? Dites-le moi. Dites aux gens de refresh sur le chat si je suis au cas où je serais revenu. Hein. Mais ouais, désolé, la 4G est pas très stable. Il faudrait que je paye un truc à 150 balles, mais j'ai pas envie de le payer juste pour 2 mois, quoi. De 4G, hein. Je secoue les arbres avec le coup de boule. C'est marrant que ça essaye. Ah, attendez! Quand tu secoues les arbres avec coup de boule, il me semble que tu peux choper des Pokémon aussi qui sont dans les arbres. T'as vu ça? Elle est trop classe. C'est à quoi? Dès que je finis ma petite session de Pokémon, je pense que je vais me remettre à cash. Non, par contre, c'est pas par là que je dois retourner. Je viens de faire le tour bêtement. Tellement deck que ça soit pas stable, mais bon, d'à côté c'est normal. Hein. Faut vraiment que je m'entraîne à faire du graphisme, mes overlays sont à vomir, mais non. Tu sais que tu peux contacter une certaine personne qui s'appelle Ricky et qui serait ravie de te faire des overlays? Sous quelques conditions, bien sûr. Hein. Là, je suis en train de faire de la pub à Ricky, je suis même pas sûre qu'elle soit d'accord pour ça, mais bon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ok, pas bien. Oh putain, t'es lourd. J'arrive pas à le soulever. Voilà, j'ai soulevé le chat. J'ai réussi à soulever le chat. S'il y a 3 chiffres sur le chèque, ça passe. Sur 3 chiffres, t'es sérieux?
Non, mais je sais même pas si elle a envie d'en faire des overlays. Oh, c'est trop mignon, Coxie, en vrai. Mais bon. Faire la cuisine, le ménage, les courses que tu paieras de ta poche pendant un an, c'est le minimum pour overlay. Chat, poulet, riz. Yes, toi. On parlait tout le temps de calzone là, non mais. Je sais pas si elle sait faire des overlays animés, honnêtement. Elle gère super bien Photoshop, mais pour le reste, j'en ai aucune idée en fait. Je pense pas qu'elle ait fait de l'animation 3D. Hein. Enfin, et encore, c'est pas vraiment de l'animation 3D, c'est juste de l'animation via After Effects et tout, je pense. Sérieusement? Je me suis fait paralyser. Est-ce que je suis encore loin dans la forêt? Je sais pas du tout si je suis loin dans la forêt, honnêtement. Coxie, je crois que je peux l'attraper que le matin. J'ai pas une baie anti-par. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a moyen de trier son inventaire. Ah, merci à toi, Mary Crystal, pour ton follow. Bienvenue sur le stream. C'est bon, t'es bien posé, le chat. Ouais, j'ai fait qu'un artichaut, j'ai la CS coupe. J'explore en même temps Hydrinia parce que j'ai envie d'avoir un joli fleur. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, mais juste en triant avec select, tu vois. Genre, tu fais sac, tu appuies sur select, et tu déplaces juste en fait. Tu peux pas. Enfin, t'as pas un truc qui te permet justement de. T'as juste select en fait. Je peux pas parler à l'autre. Je sais pas si elle me donne quelque chose en vrai. À chaque fois que je parlais au PNJ en fait. Juste pour avoir des trucs, genre des fois ils donnaient des Pokéballs, des fois ils donnaient des techniques, tu vois, des CT. Et enfin, voilà, en fait je suis une clocharde en vrai. Je suis une putain de clocharde en vrai. Dès que je peux choper un truc, je chope. Enfin, pas mal d'avoir une maîtresse qui agit comme une clocharde dans les jeux vidéo. Non, t'en fous toi. Heureux comme tu es. Je sais pas si je le tuerai. Je peux faire... Ah si si si, je peux. Je peux le défoncer. C'est vrai, heureusement que j'ai 20 points de... 20 points de pouvoir avec Hydrinia. Pour vol de vie, hein. Ah ouais, on est à la pension là? Déjà? Je pensais pas que c'était aussi rapide. Enfin, aussi proche surtout. Par contre, Piafabek, c'est pas la peine. Je vais utiliser Vector. La portion des vieux louches. Mais de toute façon, pour accoupler mes Pokémon, il me faudra absolument un. Il me faudra absolument un. Comment ça s'appelle déjà? Il me faudra un. J'ai oublié le nom. Il me faudra un métamorphe, voilà, c'est ça. Mais je sais plus quand où est-ce qu'on peut choper les métamorphes. Hein. Re Azora Gavero. Thank you.
et sa belette. C'est toi, je trouve ça. T'es trop mignonne. Mais ça demande sociabilité. J'aime pas l'idée finalement. C'est au-dessus de Doublonville, métaphore. Doublonville, c'est quelle ville? C'est la ville avec le centre commercial, non? Tiens, mon chat. T'es intéressé par ça? T'inquiète. Oh, c'était quoi ce Pokémon? Je m'en souvenais pas. C'était quoi ce Pokémon? On en reparlera plus tard, Nitel. Non mais vous regardez. Ah merde, je fais pas assez de dégâts avec Snubule. Non mais ça en déconne. Je te dis qu'on en parlera après, Drien. Drien. Ted. J'avais pas vu lui. C'est devenu un Pokémon de type fée sur la 6ème génération, comment c'est possible hein? C'est quoi le petit projet stream? J'ai mis un planning, si tu veux, Delta Genesis. J'ai prévu de faire certains jeux, mais c'est. Comment dire? C'est spécial en fait. Disons qu'il y a quelqu'un qui a réussi à me chauffer sur Pokémon et je suis allé dessus et depuis, j'arrive pas à lâcher. Ah, c'est pas qu'il... c'est pas terrible. Je sais pas si je le tue sans perdre trop de PV. Non, en vrai, ça va, je regène pas mal. Il continue avec griffe, je récupère à chaque fois la moitié de ses dégâts. T'as bien, Zidane? Tu vas faire Borderlands Pre-Sega? Faut déjà que je réussisse à finir Borderlands 2 avec Kiri, Senei et Stigma. Après on verra pour le reste. Ça va, t'es pas trop à l'aise? Non? Ok. C'est ça, c'est mes sélections pour le stream Delta. Il y a des jeux que j'ai déjà fait, j'aurais peut-être dû mettre des croix. Mais ouais. Topiqueur. Ah, je vais laisser. Non, je vais laisser. Contre Topiqueur, ça marche bien des attaques de type plante. Non mais à mon avis, ouais, je pense qu'ils étaient bourrés pour le mettre de type fée métamorphe parce que ça n'a aucun sens, tu vois. Franchement, je l'aurais mis de type normal, métamorphe, un truc comme ça. Peut-être psy à la limite et encore, je suis pas vraiment fan. Non, ça va, j'ai pas trop chaud. Hein. Non mais il fait pas spécialement chaud dans ma chambre donc ça va. Je passe mon temps en short aussi en... Donc bon... Après là j'ai mis un gilet donc ça va. C'est froid. Le chat en fait il est juste là pour me chauffer les jambes. Ferro-singe déjà parce que c'est trop Arcus en fait. Non j'ai pas encore... je crois qu'il y a personne qui a mis Ferro-singe encore. Hein. Mais si tu le veux, Quetzalcoatl, tu demandes à... Envoie un message à Senei. Senei, est-ce que tu peux mettre Ferro-singe pour Quetzalcoatl? Granivol. Non. Ouais, non, je sais bien, Didane.
Je pense pas qu'il y aura une suite de Life is Strange. Peut-être un jeu dans le même genre, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une suite de Life is Strange. Hein. Le jeu est complet et y a pas de raison de faire une suite. En fait, je vois pas pourquoi il y aura une suite de Life is Strange. Ce serait un peu bizarre en vrai. Hein. Bon, un jour j'irai voir maman et je lui dirai que c'est pas possible, il faut que t'arrêtes de me piquer mon argent. Non, on a Arcus en faire au singe, pas moi, je suis... Ah d'accord, merde. Ah, j'ai plus de place pour l'œuf. Faudrait que je le prenne. J'ai pas très envie qu'il m'entraîne un seul de mes Pokémon, mais bon. Mais ouais, ils seront là. Alors lui, c'est un garde. Ah, mais en fait, au final, il m'attaque. Je pensais pas. Enfin, c'est pas lui qui m'attaque, c'est moi qui lui parle et il le prend mal. Oh, un Caninos. Heureusement que j'ai XP Vector, parce que sinon j'aurais pas eu d'autres Pokémon de type O. Hein. J'ai trouvé la fin un peu bâclée, c'est vraiment bien fait le dernier avion jusqu'à la scène finale qui m'a vraiment déçu. Tu sais que t'as trois fins, hein, Delta. Hein. C'est qui dans l'œuf, c'est un Pokémon au hasard, un pseudo. Hein. Alors le premier œuf, c'est sûr, c'est Togepi, hein, mais pour le deuxième œuf, ah merde. Pour le deuxième œuf, ça dépend réellement de. Ça dépend de pas mal de choses. Hein. Et merde. Je vais relancer Vector. Mais pour le deuxième œuf, au hasard, en fait, ça peut être Pichu comme le bébé Rondoudou, ou alors un bébé Mélofé, bébé Lévénard. Ah non, mais non, pas du tout, en fait. Non, c'est vraiment un Pokémon random, je crois, l'œuf. Hein. Non, c'est vraiment... Putain, mais... Il me saoule, le Caninos. Ouais, il me semble que c'est un Pokémon random, hein. Le mien était bâclé. Ah, et ça c'est parce que t'as pas fait certains trucs à mon avis. Hein. Eternian. Non, le premier œuf c'est Togepi, Drinia. Mais le deuxième œuf que tu as avec la pension, c'est pas un Togepi, c'est autre chose. Ou alors c'est un Evoli. Ça peut être Pichu, Melo, Toudoudou, Debugan, Liputi, Lekid, Magby. T'avais eu Toudoudou. Ouais, ça doit être. Il me semble que c'était un truc comme ça, mais je suis même pas sûre en fait. Alors quelque part, j'ai vraiment l'impression d'avoir des souvenirs bien brouillés quoi. Je dis un truc, je suis pas sûre, je reprends. En fait, si, c'est peut-être ça. Ah merde, je pensais qu'il serait assez loin. Tu peux enregistrer des dresseurs sur ton téléphone, ouais, pour les réaffronter plus tard. Mais ça m'intéresse pas trop de les réaffronter eux, quoi. L'Evoli, c'est chez les grands-parents de Léo à Doublonville, d'accord. Et je sais qu'on peut aussi avoir un Evoli à Céladopol à nouveau. Oh, un petit cocoac. Oh, bah c'est bon, je devrais le défoncer, lui. Il me fait 6, je devrais récupérer 3 PV à chaque fois. Ah non, même plus que ça, en fait, je récupère 6 à chaque fois. C'est une blague, j'ai pas d'autre sort. J'ai pas d'autre sort. Je sais pas s'il y a des bugants, c'est possible. Hein. Hmm.
Il te sera offert au mont Creuset. Ah ouais? La maman, je crois qu'elle doit échanger un Pokémon, mais je sais plus lequel. J'ai pas de lettre volée. Hein. Plus ce que ça fait d'avoir une lettre volée à lui donner à elle. Ah, c'est dommage que je puisse pas faire le cadeau mystère par jour. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? En plus, à quel étage qu'on chope des trucs? Je sais même pas combien de Pokéballs j'ai sur moi, je dois en avoir une dizaine encore. Lettre fleur, non c'est pas ça. Super beau, je pense que j'en achèterai plus tard. Mais en vrai les Pokéballs, j'en achetais pas beaucoup dans cette version. À part peut-être les Hyper Balls, mais en général, j'utilisais les Pokéballs que je fabriquais avec l'autre. Avec Vargas, je pense. Mais moi, clairement, je savais pas du tout que c'était les grands-parents de Léo qui donnaient. C'est avec Evoli qu'on peut avoir mieux dans cette version, j'en ai aucune idée. J'utilise pas de glitch sur celle-là. Enfin, je pense pas que je vais utiliser un glitch, quoique. Ça peut me permettre d'avoir certains Pokémon, pourquoi pas, mais je sais pas si je vais en utiliser. C'est pas ici qu'on achète les pierres? Normalement, il y a. Normalement, il y a quelqu'un qui donne des pierres, il me semble. Bon, ici c'est pour acheter les sodas. Si tu achètes de la limonade ou de l'eau, du soda cool ou de l'eau fraîche, voilà quoi. Non, je sais même plus si c'est ici qu'on chope les pierres. C'est peut-être une idée reçue, Delta, ouais. Mais je t'avoue que je sais absolument pas si c'est là ou pas. Ah, un casino. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans ce casino, hein? Je sais plus chez qui on récupère une boîte de jetons, là. Il a jeté sa boîte dans le souterrain, lui, d'accord. Bon, bah, je sais que ce sera dans le souterrain. Il y a ça. Normalement, c'est ici qu'on échange. Je sais plus contre quoi on peut échanger. Hein. Ouais, d'accord, elles me diront rien, en fait. Tant que je n'aurai pas de boîte, ce sera pas possible. Je pense pas que ce soit encore un Porygon. On aurait pu faire le bug de Pokémon Starter. Non, 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 non. Non, ça va, je m'en sors bien avec cela. Et aller au centre Pokémon de Rosalia, d'accord. Ok, ok. Donc Léo, en fait, si je me souviens bien, dans cette version, il déteste son père. Et pour aller au souterrain, c'est par où déjà? C'est par là. Par contre, on affronte des dresseurs. Ouais, j'aurais pu commencer avec les trois, mais bon, honnêtement... Non, mais c'est pas grave. Ça aurait été mignon, mais bon. Pokémon de type poison. Non, ça marchera pas. Faut que j'utilise une Tsad. Ça va, t'as la belle vie? Manque de câlin, il n'y a pas assez de câlin, c'est ça? Maman, elle fait pas assez de câlin. Non, mais ça, c'est parce que je dois capturer des Pokémon, tu comprends? Après, on a du temps avant le bug de CB qui est bien compliqué. Ah, ouais, non, mais alors, laisse tomber, j'ai pas envie. Donc, ça va me saouler en fait de le faire. Hein. Même si ça aurait pu être fun.
ça va, il est amélioré dans cette version, il est moins moche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais le chat? Ah, et tu peux aussi les envoyer se faire toiletter dans cette version. Disons qu'il faut qu'il te faut savoir cloner les Pokémon et créer de mauvais clones. What? Ça m'a l'air compliqué tout ça. Qu'est-ce que fait le chat? Je prends quand même assez cher en vrai. Je prends 7 par hit en fait et je récupère à peine 3 PV. Je pense que je vais mourir avant de le tuer. Non, je vais changer de Pokémon, j'ai pas envie de mourir avant de le tuer. C'est vrai qu'il y a des Pokémon qui évoluent que au bonheur sur ce jeu. J'ai appris poudre toxique, je vais peut-être servir un peu plus à quelque chose. T'en auras besoin si tu vas avoir Noctanie monter. Ouais. Ça c'est sûr. Hein. Ouais, j'ai la boîte de jetons, je vais pouvoir jouer au casino. Comme de par hasard. En plus, il y avait quelque chose à droite. Non, je crois pas que je puisse aller à droite. Hein. Bon appétit Eternian. Je sais plus si ce qu'il y avait à droite en fait. Il me semble que c'était par rapport à la Team Rocket qui est à droite. Mais en fait il est vraiment trop chaud. Magnéti niveau 7, il est de type acier électrique, mais genre les Pokémon de type. Je suis pas sûre que le poison ça marche sur les types acier, il me semble que ça ne marche. Aucun effet, ouais, aucun effet, non c'est bon. Hein. C'est aucun effet qui veut dire que ça ne marche pas. Hein. Ouais, non, c'est absolument pas efficace, mais je vais quand même le faire. Parce que le Pokémon est niveau 7, donc je peux me le permettre. Hein. Et je récupère en fait exactement le même montant de dégâts que qu'il me met avec, avec vol de vie. Je vais faire comment avec toi, petite boule? Qu'est-ce que je vais faire avec toi, petite boule de poil? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais il s'en fout, hein. Il est en mode gros pépère. Montre-leur que t'es un gros pépère. Voilà. Comme ça. Gros pépère de Sora. Mais il est... il est en mode patate, il s'en fout en fait. Il veut juste dormir. Vas-y, dors, c'est bon. J'arrête de jouer. Si tu vois la complexité pour obtenir ces billes, je t'envoie tout le bordel sur Discord, vas-y. Hein. Je sais même pas quel Pokémon j'ai envoyé. Hein. Non, c'est les billes, normalement tu l'as en event. Il me semble. Mais après tu peux l'obtenir via un glitch aussi, mais bon je sais très bien que je pourrais jamais faire un event via émulateur, donc bon... Moi j'ai vraiment l'impression qu'il est mort en fait, mais il dort juste. Faut voir Pichu cranté, c'est quoi ça Pichu cranté hein? Thank you.
Au pire, envoie le lien. Hein. Bref, t'embête pas. Hein. Enfin, pas sur le chat Twitch, mais sur Discord. Je regarderai tout. Hein. Je crois que je suis pas encore allée là. Il me faut quelque chose de spécial. Il me faut une clé ou... Ouais, il me semble qu'il faut une clé. Ah bah tiens, j'ai Togepi. Il est vraiment trop mignon. Si, si, il y a l'action replay pour... ça. Est-ce que je mets le Z ou pas? Ou est-ce que je le mets pas? Je le mets ou pas, dis-moi. Tu veux quoi? Tu veux que je le mette ou pas, Frézou? Ah non, mais je me suis quand même pas baladé pseudo, hein, c'est pour ça. Avec ou sans Z? Dis-moi vite. Non, sans Z, ok. Je pensais que t'étais mort, mon chat. Non, ça c'est un Ramolos. D'ailleurs, qui devrait être Ramolos en fait quand j'y repense, dès que je vais en capturer un. Comment ça respecter la case? Comment ça, Delta? J'ai quoi de mal? J'aurais pu, mais j'ai la flemme en vrai. J'aime bien les pseudos en... Tu veux être niveau max, tu peux toujours rêver. Hein. Au pire, je te fais évoluer, mais je te passe pas niveau max. Hein. Ouais, t'es sérieuse, un Togepi niveau max. Tu sais, le temps que ça va me prendre ou quoi, là. Sinon, je t'envoie à la pension. Hein. Ouais, je vais faire Pokémon ce soir, je vous laisse aller Overwatch avec l'arène de Kizume. Vu que tout le monde voulait aller jouer Overwatch avec Kizume et son arène. Non, Insane, mais on en parlera plus tard comme je t'ai dit. Là, je fais mon live et je m'occupe que de ça. Ouais, bah c'est ça, mais Kizume, elles sont les demoiselles. T'avais dit que tu ferais ça. Ah oui, là on peut changer les noms. Ouais, on fera Borderlands demain. Ouais, Kizu il a un harem. Et on lui a demandé de partager, tu vois, un petit peu. Ça c'est des mythos. Coucou Zanfas, tu vas bien? Je vais bien. Le prochain peut l'appeler la ville. Non, c'est mort. Non, non, Zirkos évite par contre. Tu vois, même ma Yupina, t'avais pas d'accord. Kizu. Eh, je sais plus si c'est dans cette ville qu'on peut obtenir un vélo. Hein. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, ça ne passe. Eh mais attendez. Le truc de toilette, c'est bien dans cette ville, non? Ah bah si, c'est là, c'est le truc de vélo. Je sais plus ça coûte combien d'avoir un vélo ici. Hein. Oh trop bien, je vais avoir un vélo gratuit.
C'est bon, j'ai le vélo. Et ça, c'est juste trop bien de pouvoir utiliser Select pour aller pour utiliser le vélo, c'est génial. La reine est là, ok. Je vais retourner au sous-sol, tiens, du coup. Hein. Vu que j'ai envie de masser mon Pokémon. Hein. Je crois que c'est lui qui masse, non? Ah non, le type qui masse, en fait, il est pas encore là. Normalement, ils sont là, les deux, là. Il y en a un des deux qui masse, en fait, mais ils sont pas là. Poeta, c'est quel jour de la semaine? D'accord, il va venir quand j'aurai battu la Team Rocket. Je sais plus c'est quelle arène celle-ci. Hein. Non, c'est la blanche. Oh punaise. Sérieusement, c'est ici blanche. Alors il fallait que ça soit là quoi. J'XP que dalle, c'est ça le problème. En fait j'ai pas du tout de... Mais justement c'est le problème, j'ai pas d'attaque de type combat. T'imagines bien ma détresse. Hein. Genre les Pokémon qui sont comme ça, bas level et tout, normal, je m'en fous. Hein. C'est la grosse vache qui va me saouler. Hein. Après j'ai des popos donc ça passe, mais bon. Je vais y mettre une baie anti-para si j'ai, hein. Quoique je pense pas avoir ça. Non mais s'ils sont tous niveau 17, je vais en baver. Hein. Quoique non, à mon avis, c'est son Pokémon le plus haut. Les autres, ils doivent pas dépasser le niveau 20. En fait, ça m'étonnerait qu'ils dépassent le niveau 20 sur cette arène. À part peut-être pour la vache de... Enfin, les crémeux de Blanche, mais bon... Ouais, le Melofée, ça va être hyper relou. Hein. Coucou, Izia the Sage, tu vas bien? C'était mode trop chou. Oh non, c'est Isla the Sage, pardon. J'ai juste évité de me faire défoncer, quoi. À cause d'une paralysie, hein. C'est absolument pas collant, hein. Endormi à nouveau. Car la canon envoie Miaous. Car la canon. Ah, c'est bon, je l'ai brûlé. C'est bon, Miaous, tu peux brûler. Hein. Il me faudra un Miaous pour Jackpot. Il m'en faut absolument pas un pour Jackpot. Et si j'ai un Miaous, en fait, je l'utiliserai. Bah, tu. Tiens, Kiri, je vais choper un Miaous. Et le Miaous, ce sera toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a le chat? Tiens. Hum? Qu'est-ce qu'il y a le chat? Hum? Qu'est-ce qui t'arrive? Wow, t'as entendu mon petit frère crier? T'as eu peur? Ouais, mais en fait, il se fait réveiller partout et n'importe où parce que comme je bouge de temps en temps, là, il est pas content. Hum? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, hein. Faut t'en aller, hein. C'est bon, il m'a lâché. Hein. Mais ouais, il aime bien dormir sur moi.
mais c'est horrible, je sais pas comment ils ont pu faire un Pokémon comme ça, je le trouve tellement horrible. Et il a des attaques de type combat par contre, il me semble, ou ténèbres. Genre il a morsure, c'est ténèbres normalement. Il a les chouilles aussi, c'est ténèbres. Donc c'est en soi c'est pas un mauvais Pokémon, mais bon. Mais maintenant mon objectif ça va être de choper un Meowth pour pouvoir avoir la... pour pouvoir utiliser coupe dessus et avoir jackpot dessus aussi. Ça va être très très important. Les chouilles c'est spectre. Ok d'accord, j'ai cru que c'était ténèbres. Je sais pas pourquoi. Affronte-moi toi. D'accord, je pensais que c'était ténèbres. Je sais pas pourquoi. Droff, ce que tu m'as envoyé, t'es sérieux? Il y a un rododo qui va m'endormir. J'ai pas de truc anti-sommeil. Hein. Mais je vais essayer de le tuer avant qu'il me tue. Hein. Enfin, qu'il m'endort. Vive attaque. Ouais, c'est bon, je le tue. Genre, il en a qu'un seul, donc ça devrait aller. Ah non, il en a trois. Je stream là, c'est loin de toi. Tu veux l'emmener dehors, il a faim je pense. J'ai déjà mis des croquettes dans son bol. Alors, maman elle a fait des pâtes, t'en as pour demain. Ok. C'est quoi comme pâte qu'elle a fait? Pâte carottes et congelées. Ok. Ah ouais, je pensais que t'allais m'envoyer le lien en fait, Droff. Je pensais pas que t'allais m'envoyer toute l'explication à l'écrit. C'est surtout ça quoi. Ça va, il n'y a pas eu un seul rondoudou qui m'a endormi. Et pourtant c'est le sort le plus casse-pied de ce Pokémon. Non ça va, si j'arrive à passer tous les autres, je devrais pas avoir trop de problèmes contre Cremeux, enfin j'espère. Peut-être que je parle trop vite. Bon je vais me préparer mentalement, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aller aux toilettes et après j'arrive pour l'affronter. Ouais, c'est un plat en fait, elle a fait des pâtes avec carottes, courgettes et tout, et moi j'adore en fait. Mais ma maman elle fait beaucoup de plats sans viande, donc c'est plutôt cool. Hein. J'arrive tout de suite, j'ai juste aux toilettes. À toutes les gens! T'as emmené mon gros chat dehors, c'est bon? Heureusement que les PC sont pas en odorama du coup. C'est quoi les odoramas? Ricky a rot sur le vocal, sérieux? Faudra faire un concours alors. Ah d'accord. Merde, il a lancé Requiem. C'est mort, il faut que je tue avant.
faut que je change de Pokémon, je pourrais pas utiliser que le PC simule pas des odeurs. Après, je sais pas où j'avais vu ça, peut-être dans les Simpsons ou Futurama, je sais pas du tout. Yo Karnax, tu vas bien? Ça a été ta journée de formation? Je suis obligée de changer pour reset le truc parce que c'est pas possible comme ça. Ah, je vais utiliser Vector, tiens. Je vais l'endormir et je vais essayer de le défoncer. Hein. Comment ça prend M4G? J'ai encore perdu le stream? Je sais pas si je te sacrifie, Vector. Je m'en voudrais un peu de te sacrifier, mine de rien. T'inquiète, Karnax. Putain, il dormait encore. J'aurais pu continuer à l'attaquer, je suis con. Bon bah tant pis, hein, je vais mourir. J'ai trop merdé, j'aurais dû continuer à attaquer en fait. Putain. Tu fais vraiment que dalle, c'est horrible. Hein.